Ok les gars, bienvenue dans l'épisode 2. Alors je vous explique ce qui se trame ici. Alors je fais rapidement. Alors en fait là il y a un mec qui a été pillé. Là je me suis connecté. Il y a un mec qui a été pillé ici, à côté de moi. Donc on va vite aller comment dire tout lui voler tout simplement. On va voir ce qui est intéressant. Ça peut être vraiment pas mal du tout. On va voir s'il y a des bonnes ressources. Alors on va checker d'abord. Après je vous expliquerai un peu la suite. Vous voyez que j'ai changé de stuff un peu. Bon bref, c'est pas le plus important. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Des esclaves. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, on voit rien. Super. Yo. Y a rien du tout. Ok, suivant. Allez, grimpe mon pote, vite, 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 vite. Faut pas qu'il se reconnecte, faut pas qu'il y en ait un qui arrive là avec que dalle. Là. Ok. Voilà, ça peut être intéressant ça. Ouh, pas mal de trucs. Un petit esclave. Ouais, vas-y, je vais le prendre là, du coup. D'accord. Ici. L'écorce, on prend. Bref, je sais pas. Non, finalement non. Là, le charbon. Bof. Bah non, ça me remplit, c'est nul. Mais bon, moi je prends quand même. Ok. Tête de loup, vas-y, je sais pas à quoi ça sert, mais je prends. Let's go. Ok. Ouais, de la plume, c'est bien. Il y en a beaucoup, en plus c'est chiant à récupérer, les pièces d'or, je sais pas quoi ça sert, mais ça brille. Je prends. Ça je prends aussi, c'est chiant à faire. Nickel. Je pense qu'on va pouvoir partir d'ici. Bon bah écoutez, le pauvre, ouais, on a fait une bonne petite razzia chez lui. Mais bon. Du coup, ouais, il s'est fait péter par des joueurs. En gros, les joueurs là, sont venus ici, ils ont explosé les murs là, que vous voyez. Bref, alors ce qui se passe... Je vous le dis, je suis plus sur le même serveur, vous voyez qu'il n'y a plus la grosse base là de l'autre bâtard là. Il n'y a plus la grosse base, alors en fait ce que j'ai fait, c'est vraiment l'objectif, c'est de découvrir le jeu, simplement. Donc pour ça en fait je suis allé sur un serveur où il y a une multiplication de l'XP et une multiplication du farm. Donc en gros on va pouvoir gagner les niveaux plus vite et on va pouvoir farmer plus vite. Pour découvrir le maximum de choses en le moins de temps possible, parce que sinon, je vous dis, cette série de découvertes va prendre 10 ans. Ouais, en effet, en 2029, on aura toujours pas fini. Donc voilà, bon, je vais tout poser tout simplement, je vais tout ranger et on se retrouve après, hein. Ok. Bon du coup on a un peu bougé là, on va faire un truc un peu particulier maintenant, vous voyez. Alors moi j'habite vers ici, paillasse, vous voyez c'est ma paillasse. Je bougeais juste ici, voilà vite fait. Et en gros l'objectif c'est de récupérer les fleurs qui sont devant nous là. Sur l'île de Télis. Donc bim, on traverse en nageant tranquillement, mais sûrement. Ouais parce que en fait c'est par rapport au... Hop là. Par rapport au niveau dont je vous ai parlé en fait. Du coup sur vu que j'ai changé de serveur, j'ai gagné plein de niveaux super vite et en fait je croyais arriver au niveau 100. Et du coup je me suis dit ok ça va pas de problème, j'arrive au niveau 100. Et là vous voyez aptitude, attribut. En fait tout ça je les montais un peu à l'arrache sans trop faire attention. Mais en fait what the fuck. J'ai pris un ourson. Bon, bah je l'ai capturé. M'a fait peur ce con. Bref, et du coup, je croyais arriver au niveau 100. Donc j'ai pas fait attention à mes... au point que je distribuais mes aptitudes. Et voilà. Donc on va checker ça ensemble. Donc en gros, ça, l'objectif de cette fleur, c'est de pouvoir créer une potion qui peut te permettre de remettre à zéro tes points d'aptitude. Donc ça peut être pas mal. Comme ça, on va pouvoir voir ça ensemble. Essayer de faire quelque chose de cohérent parce qu'en gros l'arc je crois que ça sert à rien hein. L'arc c'est pas super utile. Disons que je l'utilise jamais donc je me dis voilà. Peut-être que j'ai mis des points là-dedans qui servent à rien. On va essayer de voir aussi pour se faire une roue de l'esclavage. Une roue de la souffrance. Histoire de commencer à faire des esclaves quand même. Bon j'entre à la maison et puis let's go hein. Mais du coup comment on se fait ça là? C'est tout? Ah ben voilà, c'est tout. Nickel.
Consolidant pour la pierre, base alchimique. Ouais, les trucs, je sais pas trop ce que c'est. D'ailleurs, du soufre. Du soufre, je crois qu'il va falloir en récupérer au taquet pour faire des trucs en acier. Je suis pas sûr, hein, mais je crois que, ouais, il faut aller récupérer du soufre, hein, les gars. Parce que pour faire des objets en acier, il faut du soufre. Pour faire des lingots d'acier. Et là, en vrai, je peux plus trop avancer tant que j'ai pas d'acier. Donc, tant que j'ai pas de soufre. Donc, on va se faire cette potion. Ah ouais, c'est 10 quand même. Ah, j'ai bien fait d'en prendre beaucoup, hein. Bon, là, c'est un peu excessif. Je pense. Mais on va voir ce que ça donne. Histoire de redistribuer mes puntos. D'accord. Toi, tu reviens là. Réinitialisation des aptitudes et des attributs. Ah ouais, tout quoi, merde. Alors j'ai déjà du cran grâce à cette armure. J'ai 390 points, ok. Et les aptitudes, ouais, j'ai plus rien non plus quoi. D'accord. D'accord. Alors on va faire ça. Alors la force, alors ce qui est super important, c'est... C'est ça. Vitalité farouche. Régénération de santé passive. Ça, c'est super important. Bon, on va faire comme ça, les gars. Voilà. Aptitude, par contre, ça va être long. Maître charpentier. Maître charpentier sur son arbre perché. D'accord. Ok. Donc, il me faut ça. Pour ça, il me faut ça. Vas-y. Bon, en vrai, pour l'instant, je pense que ça va suffire, hein. L'objectif, c'est quand même de découvrir le jeu. Donc, soyons assez francs avec nous-mêmes. On va pas tout voir maintenant. Ah, tout simplement. En gros, là, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va faire une petite expédition soufre. Alors, où est-ce qu'il y a du soufre? Ici, je crois. Vers ici, là, il y a full soufre. Donc, on va y aller, tranquille. Mant, mais sûrement. Ouais, on se retrouve direct là-bas, hein. Je vous passe le chemin, ça va prendre trois plombes. Respectons la mémoire de mon ordinateur. Ok, bon bah on arrive bientôt à la zone escomptée. On se fait embrouiller par les sangliers depuis tout à l'heure, hein. Regardez-les. Qu'est-ce que tu veux, toi? Bah ouais, mon épée qui pêche, elle est super forte. Tiens, allez, dégage. Et toi, là, tu veux quoi? Ouais, coup de pied, coup de tatane. Voilà. Ça perd. Bon, mais du coup, on change de zone, hein. On est vers ici. Notre objectif, c'est ici, je crois. Je crois bien. Alors, c'est la première fois de ma vie tout entière que je vais récupérer du soufre. Donc, on va voir comment ça se trame. Ouais, j'ai un peu chaud avec mon armure là, non? Ouais, la fourrure. Je sais pas si c'est le bon délire, quoi. Est-ce que si on passe par là, ça passe? Ouais, c'est nickel par là. Yo! Yo! Hop là! C'est quoi ce truc là? Est-ce que ça se bute? Je suis un peu écrasé la gueule. Hein. Yo! Alors tu te butes toi? Ah ouais, tu te butes! What the fuck? Oh! Empoisonné, salaud! Qu'est-ce que tu me donnes? De la chitine? Yes! Bon, ouais, c'est bien ça. La chitine. Pour faire des armures. C'est de la pierre, ça, on s'en fout. Dégage. Il y a full fer et tout, c'est pas mal par ici là. Après, je vais avoir. Je vais brûler en fait. Je pense. Ça, c'est un truc que j'avais pas forcément pensé quoi. Du coup, je vais être obligé de me foutre à poil. J'aurais pas dû prendre mon armure tout simplement en fait. Bon, toi par contre, me saoule pas. T'en foutre! Allez, on va te dépecer. Ok, j'ai très chaud. On va enlever ça. C'est bon, ça va mieux? Ouais, parce que si je meurs de chaud, ça va pas le faire, hein.
À boire un coup, à manger un coup. Tranquille. Yo! Est-ce qu'il y en a d'autres qui donnent de la chitine là? C'était pas mal ça. Alors le soufre, il est où? Je pense que ça va pas être très bon d'aller là-dedans là. Ok. Oh toi, viens là mon pote. Toi je sais que... Mais empoisonné, bon vas-y on s'en fout. Vas-y, crève. Chitine. Et j'en ai beaucoup hein. J'ai ça aussi, ça peut être bien je pense pour faire des trucs empoisonnés quoi tout simplement. Alors... Ok. Est-ce que c'est du soufre ça? Non, c'est de la pierre. Ça doit avoir une tête particulière le soufre, hein, j'imagine. C'est quoi ce truc là-bas là? C'est un hippopotame? T'as un bébé hippopotame? Viens là toi. T'as pesé lourd cette merde. Rhinocéros, pardon, excusez-moi. Bon bah on va le prendre. Hein. Ok, pour l'instant. Ça pèse un peu lourd quand même. Mais bon. Bon, il nous faut trouver du soufre. Je pense que c'est par ici, hein. Ça y ressemble plutôt. Non, c'est de la pierre, on s'en fout. Dégage. D'accord. Peut-être ces pierres blanches là. Que dalle, c'est de la pierre aussi. Wow. Gaz toxique. Yes. Yes, ça c'est bien. Yes. Pas super accessible leur truc là. D'accord. Et comment on fait pour récupérer du soufre? Je sais même pas si c'est ici, hein. Depuis tout à l'heure je suis là, mais. On va essayer. Que dalle. Vas-y, barre-toi d'ici, vite. Escalade, qu'est-ce que tu fais? Malheureux. Bon, m'a pas l'air d'être ici, hein. Je crois que le souffle c'est jaune en plus. Aucun rapport avec Calmez-vous. Avec la choucroute. Ouais, lui là. On va essayer de le fumer. Toi. Tu me donnes quoi? Ouais, tu crois que je vais me laisser avoir? Aïe. Vas-y, dégage. Alors. Qu'est-ce que tu me donnes? La viande sauvage, on s'en fout. Il m'a rien donné de particulier, j'ai l'impression, le bâtard. Ah oui, ça, il faut s'appareiller, je crois. C'est pour se téléporter, mais ça fait de la merde. Corruption os. Us. 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 Voilà. Et en gros, après, je pourrais me téléporter ici directement. Pour aller prendre du souffle, du coup. Ça peut être pas mal. Toi, par contre, ne saoule pas. Aïe. Yes. Si je vais taper avec les poings. Lâche-moi. Bah qu'est-ce que tu me donnes du coup? Pas le crevard. Faut peut-être pas le farmer avec ça en fait, faut peut-être le piocher lui. Là il y a de l'eau, c'est pas mal. Merci à celui qui a mis ça ici, c'est très gentil de sa part. Purifiez-vous de la corruption. Ça c'est un truc de purification de la corruption? Eh mais les joueurs sont trop gentils sur ce serveur. Ok. Nickel. Bon, on va tuer les scorpions. Ça fait de la chitine. On va pouvoir essayer de se faire des nouvelles armures, je sais pas, on va voir. Oh, c'est un bébé scorpion ça. Viens là toi. Non? Wow.
Ouah, il m'a fait une balayette. Wesh. Ouais, ça monte en chitine. Oh, mais tu es bien gros, toi. Are you? What are you? Ouais, je t'explose, hein. Ouais, je t'explose la tronche, et alors? Y'en a. Yes. J'ai full chitine et j'ai de l'ichor. Alors, l'ichor aussi, c'est important. Je me demandais pas trop pourquoi, mais je sais que ça l'est. Ça l'est, ça l'est. Bon, on va fumer lui. Alors, en gros, je vais repartir. D'ici, j'aurai pas de soufre. Ça continue. Faut que j'arrête avec ma chitine là. Je suis pas venu là pour ça. Hein. Mais j'ai une légère tendance à tuer les animaux dans les jeux vidéo. Mais c'est normal, hein. Les animaux sont de la ressource. Eh, les vegans vont m'apprécier. Ressource, regardez, regardez, chitine. Eh, c'est pas ma faute, les vegans. Pas ma faute. Ouais, je joue dans la polémique. Togmor, le polémiste, disons-le. Bon, n'empêche que j'ai toujours pas mon. Mais là, on va aller le buter. On va buter lui. Et on va voir ce qu'il me donne. Je vais le piocher du coup. Viens là. Alors. Wouah, comme je l'ai éclaté. Alors, si je le pioche. Il me donne rien lui, hein. C'est un peu de la merde. Bon, par contre, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de soufre ici là. Ouais, je suis apaisé, c'est vrai que c'est apaisant ici. Ouais, il y a du soufre là. Non? Mais je vais me faire éclater, hein. Comment je fais pour ressortir de là après en fait? Bon, écoutez, on va tester. Ouah, oh, putain, je suis trop con si je perds ma vie en plus. Mais c'est pas du soufre, c'est eux. Lâchez-moi. Il faut les buter, j'en sais rien. Je perds full vie, gaz toxique, hein, gaz toxique. Non, non, lâchez-moi. Ouais, il me déboîte. Et si je meurs, je retourne à la base, je perds tout mon stuff. Y'a pas de souffle, les gars. C'est un peu un échec cette expédition là. C'est clair. Yo, je fais n'importe quoi. Oh, bâtard. Bâtard, saute. Là-haut là. Peut-être qu'il faut buter cela en fait. Mais j'ai plus de vie là. Ouais, déjà faut que je les bute. Ils sont trop forts quoi. Je vais peut-être me mettre mon bouclier en fait. Voilà, sous le pas. Souffre. C'est eux qui en ont. Ou je sais pas, peut-être que c'est pur hasard. Ouais, calmos. Alors mon pote, tu fais quoi? Tu seras dans le blanc des yeux? Souffre! Bon, ça je vire, ok. Non, ça c'est rien à voir, hein. C'est du bois quoi. Ouais, c'est ces trucs là qu'il faut buter en fait. Putain, ils en ont pas beaucoup par contre, hein. Viens là, viens. Aggro-moi. Aggro-moi. Viens. Viens mon frère. Tranquille. C'est bon, on a trouvé la solution. Ah, comme il est vénère. Moi, je suis encore plus vénère que toi.
Voilà mon pote. Et si je fais comme ça? Non, comme ça sert vraiment rien. Ok, bon, moi je le sais. C'est bon, moi c'est. On sait les gars, ok? Aïe! Venez là tous les deux. Tous les deux là. Allez, venez, 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 venez. Allez, allez, je pars votre temps, moi ça me convient pas ici là. Allez. Hop là, allez, ça paye. Ça dégage. Eh merci. Voilà. Bah tiens, t'as à me donner du soufre. Allez. T'es sérieux, il m'a rien donné. Oh, aïe 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 aïe. Un coup, je suis mort. Hein. Mais lui aussi. Ouais, en plus, je suis obligé d'y aller à poil. Je peux pas mettre mon armure, sinon je brûle sur place. Donc, il y a quand même un truc qui va pas là dans ma façon de récolter le soufre, je pense. Donc, on va arrêter. On va stopper les frais ici. Ok, on est arrivé à la casa. Bon, bah, très bien, on a fait le voyage de nuit. Il fait jour. Ce qui est bien sur ce serveur, c'est que les nuits sont super courtes. Donc pour YouTube, c'est cool parce que bah. Coucou toi, quand il fait nuit, on y voit que dalle. Alors, du coup, le souffle, je crois que c'est là-dedans. Hein? Tac. Voilà. Et puis après. En fait, il nous faut faire de la poudre de. Perlimpinpin. Non, non, non. Feu d'acier. Voilà, c'est ça. Feu d'acier, en gros, c'est pour pouvoir faire de l'acier après. Donc il nous faut du goudron aussi. Alors du goudron j'en ai full là, hein, ici. Quand tu tannes de la peau là, ça fait du goudron. Nice. On va en mettre 428. Allez, vas-y, soyons vous. Non, c'est pas là. Allez-y. Alors, tac, tac, tac. Feu d'acier. Feu d'acier. Fabriqué 90. Ouais, c'est un soufre. Pour un feu d'acier et de goudron. Nickel, bon. D'accord. Bon bah voilà, on a plus de soufre. Ok. Alors l'objectif en gros, ça va être maintenant de faire une. De très grande roue de la souffrance. Ou au minimum une grande. Ok. Il me faut des renforts en fer de ouf. Ah ouais. Ah ouais, c'est abusé quoi. Hein. Très grande roue de la souffrance. Renfort en acier. Oh! Mon dieu, tout ce qu'il faut. D'accord. On n'y est pas encore, les gars. Je pense qu'une grande, ça suffira. Ok, bon. Bah écoutez, il y a des trucs qui sont prêts. Hop, 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 on descend de là. Alors, du coup, il y a mon feu d'acier qui est prêt. Du coup, alors, c'est. Tu fous le feu d'acier ici. Et avec des barres de fer, ça fait tout simplement de l'acier. Mais là, ça me fait pas d'acier, donc on va virer ça. Tac. Ok, ça sent rien cuire. Très bien. Voilà. Là, ça va me faire de l'acier. Nickel. Ensuite, lorsqu'on va se faire avec l'acier, on peut récupérer plus de soufre et plus d'acier. Du coup, c'est les masques filtrants. Regardez ça. Il me faut 30 barres d'acier juste pour faire ça. C'est quand même assez. C'est terrible. Ouais. C'est assez long, du coup. Ok. Qu'est-ce que. Là, c'en est où? 139. Là, quand même, c'est un peu long. Ok. Et du coup, bah, je pense qu'on va aller faire en attendant. C'est qu'on va aller checker un peu les PNJ qu'il y a autour de nous. Pour en faire des esclaves, tout simplement. Alors, on va s'armer. Alors, nous, ce qu'il nous faudrait, c'est un mec ici, là. Au fourneau. Il nous faudrait un mec au chaudron. Il nous faut des mecs partout en fait, armurier, même si c'est niveau 1 c'est pas grave, au minimum ça fait quelque chose. Forgeron, artisan, charpentier, ouais il nous faut tout en fait, sauf tanneur, si on veut tanneur on peut les buter du coup. Let's go.